Katanga. Moi, Faiko Djambouenou, union des jeunes Katangais, il y a au moins 2 semaines, il lançait message à paix, message à unité, dû à y année 2022. Là, effectivement, tu y en as pas à Kwanza, ni pas marche, il y a libération, il y a Koulomba libération, il y a pasteur Ngoï Moulunda, et Néoetou. Ndukuyetu ule tukunaye damu moya. Turona bakatange bote barikuya mobilize toute tendance confondue. Ironesha vraiment kusema ni pas déjà tu en année 2022. Mais par notre grande surprise, tunaona banakuwa kudisperse bakatange mu façon moya inhumaine. Maire de la ville présent parle, mais banapika magaz lacrymogène, bananyanganya. Banduku yetu bakatange bengine mabintu balikuwa nayo mufuko, bengine balikuwa blessé, na bale balijanganya mabintu bale balikuwa blessé, tunabafisha hako parce que c'est la lutte va toujours continuer. Etant ba jeune katange, tunatafuta tuone bile binapitikanaka ma province ingine bifanike na umu. Ma province ingine kama polisi na commettre mabavure. Balanziaka po kumenterpele mwenye chef yake direct na ule policier mwenyewe. Tunaomba kwa kuauditora militaire ba interpele komanda wa la police ya ville ya Lubumbashi. Ba interpele ule policier aranza kumwatake honorable Mathieu Kansuka. Parce que ma video iku yako na vile eko na mupika maku. Ule policier ashimerite kuya libre. A la mérité que tu retrouves quelque part. Na tunaomba kote na hivi kubakatange bote bakuye mobilisé parce que après il est événement mubaye repitika na mardi le 18 janvier 2022 tunaanza kufuata mu réseaux sociaux ma insulte kwe tushi bakatange. Tunajua très bien katange ni muntu ashichambulana naki parce que éducation yake ni kalaka ya muzuri. Mais inquiétude ile tunakuwa nayo. Il est ma injure tout na fata ya bale balance chambula bakatange. Paraît-il beko parmi ba communicateur ku ya gouvernement provincial ya Katanga. Jo pale tunaomba bakatange tukuye éveillé au courant ya semaine tout temps à témoignage chiku ile tutafanya sitting pa gouvernorat pour que ba toche bale bote beko na chambula bakatange ima chiku. Parce que les chibou tursemaka ule atachambula notable katange ule atachambula katange ote atatona tutakuya kumkongo yake atwezi na permettre atwezi na avaler les pilules ya buchungu muntu beko na muripa na makuta ya katanga meanze kutuchambula shie bakatange. En tout cas, tu n'as pas mobilisé, mobiliser, tu n'as pas chiku et tu as fait un sitting par gouvernorat pour que balebego parmi les équipes de communication et gouvernorat provincial à Okatanga, bafane nini, babatoche. Parce que beko na chambula, plus bilebego na chambula, beko na salir même image ya province ya Okatanga. Beko na salir image même ya bakatange. Parce que makuta ya province ya Katanga, joile, inabapachia kichwa nguvu kia kwanza kuchambulana. Sur ce, tunaomba tu kubakatange bote ni pe unité na kuya vraiment soudé. Kama katange anakuya na problème tukuye prêt ya kushimama ya kubebele mambo asema ni mambo yetu. Na tura remercier banduku yetu bakatange bote bale bar soutenir le marche na bote bale bar ficha ko bale bar pata ma blessure bale bar pata bar inhaler ma gaz lacrymogène. Bote bale bar soutenir bakatange tuna ba remercier parce que il a prouvé à kusema katange kama anakuya uni hakuna muntu ata moya anaweza kumushimamisha. Na tunaomba kubale beko na prone juu ya kumusaidia chef de l'état aina ma division hapana kumusaidia chef de l'état. Il faut kuyua chef de l'état anatafuta nini. Chef de l'état anatafuta bantu ba di manifester fashi yote beko libre. Chef de l'état anatafuta créer ma division. Il est ma division ni chef de l'état ou le monde a fait nini mouna malabishia. En tout cas je souhaite na jo inquiétude les jeunes katangé beko nayo tunasema hivi na tuna remercier sana. Alembe, 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 al
Ababa député nabe nani fue boto aba fiele ni fue boto aba salile ikuti lati babe ba député nomba to amona tapali na mutimo apa to alanda ati ba chakula katwe ati bali tu kwa na mayo so tabale mfo mino bana mayo ba chef de l'état ba tsekedi mukese basenda ba chakula katwe mukaena bo chawa ma ife to alanda kwa na mayo Mukatanga, kutitu nilabi kola, walu watatu chabuleu, kainansho tutanyila, ipendu bia hichi, jintu kainansho utuenzela. Kapu kitu nilami, baku baba sangu na bate pite ntetu baku baba lela. Babenyi, mumbusha chabule bayanende. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle de ce qui s'est passé hier, mardi 18 janvier 2022, ici à Lubumbashi. Un groupe de députés katangais, des députés nationaux, pas tous, hein, quelques-uns, et des députés provinciaux katangais, tous, se sont réunis pour organiser une manifestation pacifique, légale, pour exiger la libération du pasteur Mulunda qui est emprisonné depuis quelque temps. Malheureusement, il s'est passé des choses pas très convenables. Et ce qui a rendu la journée triste pour plusieurs. C'est une triste journée. Mais nous indépendantistes katangais, indépendantistes politiciens, pour nous, c'est une journée de gloire et de victoire. Nous allons nous expliquer là-dessus. En tant que chrétiens et lecteurs de la Bible, il y a un principe que nous connaissons très bien, que je ne vais pas énoncer, mais expliquer brièvement. Lorsque un homme de Dieu est injustement condamné, et arrêté, mis en prison, et lorsque sa libération approche, cela présage des changements de règles. Parfois même l'effondrement des systèmes ou du système qui l'a condamné. Des grands bouleversements
sociaux. Je le dis. Je l'assume, c'est dans la Bible. Je vais encore l'illustrer par des passages bibliques. Joseph a fait 20 ans en prison. Joseph, fils de Jacob. Et quand il a été libéré, il y a eu des changements en Égypte. Il a imposé le règne chrétien à la tête de l'Égypte. Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Mais c'est plus fort encore pour le cas de Daniel et de ses trois compagnons. En Babylone, lorsque Daniel fut arrêté à sa libération, on a déclaré le Dieu de Daniel, le Dieu de la Babylone, ainsi que pour Meshach et Shadrach. Mais le cas le plus fort encore, c'est le cas de Jésus-Christ, lorsqu'il est arrêté, condamné, mis à la croix et tué, enterré, comme dans une prison. Son retour à la vie a changé les règles et nous l'adorons jusqu'à ce jour. Ce principe est réel. Un homme de Dieu, Katangé, est en prison. Pour beaucoup, c'est de manière injuste que cela s'est passé. Sa libération approche, cela présage des grands changements, des bouleversements et des règles vont carrément être bafouées. Ça s'est passé le mardi. Premier exemple. Le maire de la ville autorise la manifestation. Il y a échange de correspondances avec le parti AFBC de Nenenkulu, l'honorable Nenenkulu. On autorise. Mais le jour de la manifestation, le maire de la ville va essayer d'empêcher la manifestation. Contradiction. Lorsqu'on dit oui, c'est oui. Pas oui, non. Que votre oui soit oui et non pas un oui, non. C'est un bouleversement, quelque part. Mêmement, la marche était autorisée. On déploie la police. On rajoute la police pour prévenir. Je pensais qu'il pouvait y avoir quelques incidents tels que guerre civile ou quoi. C'est pour ça qu'on rajoute des unités de police. Et tout ça, pour moi, c'était pour maintenir l'ordre public. Mais que vient faire cette police? C'est elle qui vient perturber l'ordre public. Manifester est un droit. Un droit démocratique. Même un droit fondamental. Mais voilà que la police vient. On a les images. Chicotées, torturées. Ils ont fait le barbare. Changement de règles. Il y a effondrement du système. Le système de police n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose est en train de tomber. Il y a un homme de Dieu qui est gardé injustement dans la prison. Faites attention. Spirituellement, encore quelque chose de très fort. On a dit que c'était impossible de manifester à Lubumbashi toutes ces années. Nous, dans les mouvements indépendantistes, nous savons ça. On dit qu'on avait, c'est une légende ou c'est vrai, c'est un fait réel, on ne sait pas. On dit qu'on avait enterré des sourds-muets et des aveugles dans la ville pour que leurs esprits rendent la population aveugle, la population katangaise aveugle et sourd, sourds-muets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces esprits peut-être ne reconnaissaient que les hommes. Mais cette fois-ci, dans le plan de Dieu, il a envoyé trois femmes à la tête de cette manifestation. Je parle de l'honorable maman, l'honorable Nenenkulu. Je parle de l'honorable Ida et de l'honorable maman Odette. Et c'était des femmes qui étaient devant ces esprits d'aveugles et ces esprits de sourds-muets n'ont pas pu voir les mamans. Et les mamans les ont écrasées. À ce moment-ci, il n'y a plus possible, ce n'est plus possible d'empêcher les Katangais de manifester. Parce que les Katangais, les femmes sont venues écraser ce pouvoir-là. Les esprits d'aveuglement et de sourds-muets. Tout ça, c'est fini. Quand je dis que quand un homme de Dieu doit être libéré, qu'il ait été injustement arrêté, à sa libération, les règles changent, les fondements changent. Ceci me permet de déclarer que 2022, est une année de changement, est une période de bouleversement et même d'effondrement de systèmes de méchanceté. Je le proclame. Allez, je ferme cette parenthèse. Je m'en vais maintenant remercier les mamans, parce que je ne dois pas être très long. Je m'en vais remercier les mamans.
Malgré la barbarie de la police, vous saviez qu'il y avait ce défi-là. Mais vous êtes venus, vous avez pris vos avions à partir de Kinshasa. Vous avez engagé vos fonds, vous avez abandonné vos familles, vous êtes des mères de famille. Et là, je suis étonné par l'honorable Nene Nkulu. À la voir à la télévision, je pensais que c'était une grande maman. C'est encore une jeune maman. C'est encore une jeune maman qui pouvait rester tranquillement à Kinshasa, dans la chaleur de Kinshasa. Mais elle est venue pour montrer qu'elle était proche de ses frères. Comme Moïse, elle a quitté la table de Pharaon pour venir auprès de ses frères. Elle a signé tous les documents pour cette manifestation. Maman, honorable Nene Nkulu, comment devrais-je vous remercier? Je vous rends des multiples hommages pour ça. Maman Aïda, fidèle à ta façon, fidèle à ton courage, parce que je ne sais pas comment l'exprimer. Lorsqu'on a déshabillé nos mamans en 2020, je vous ai vu à la télévision. Bah, tu es monté, tu as dénoncé, tu as condamné fort. Et là, tu étais encore une fois au front. Tu es venu. Maman Aïda, merci. Et je vais enfin parler de maman Odette Mwamba. Là, franchement, vous m'excuserez. J'ai vu ce que je ne pouvais pas imaginer d'une maman katangaise. J'ai cru que les mamans du 17 juillet 62 étaient revenues pour défendre le Katanga. Rendez-vous compte que lorsque l'honorable Mathieu est battu, entouré de plusieurs policiers, il y a l'honorable le bulldozer, je préfère l'appeler le bulldozer, le député Kaoze est en train de discuter avec eux. Mais maman Odette est allée s'interposer, regardez l'image, elle est allée s'interposer entre l'honorable et les députés. Elle a reçu des coups. Elle devait protéger le député Mathieu. Où était la foule d'hommes? Tous en débandade. C'est pour ça que je dis, ce sont les mamans qui sont venues écraser les autorités qui nous empêchaient de vivre, qui nous empêchaient de manifester. Ce sont les mamans qui sont venues briser les chaînes. Bravo les mamans. Maman Odette, multiples actions de grâce. En tout cas, des grands hommages pour vous aussi. Je voudrais remercier les papas, puisque je ne dois pas être long. Je voudrais remercier les papas. Je ne pourrais pas énumérer vos noms tous, mais je voudrais remercier particulièrement l'honorable Kabweloulou, le président du Rassemblement des députés Katangais à Kinshasa. Il est venu. Je sais que tu n'es pas venu pour rien. Peut-être les gens ne t'ont pas vu, mais je sais que quand tu viens, on a senti. On a senti. Moukouboua, on a senti. Je vous remercie. Je voudrais remercier aussi l'honorable Pablo Nguej. Koubois, j'espère que tu me reconnais. Docteur, vous êtes égal à vous-même, vous n'avez pas changé. C'est vous qui avez mobilisé tout le monde ici. Je sais, j'ai vu votre touche, j'ai vu votre travail. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci parce que vous sauvez l'honneur. Merci. Alors là, je vais attaquer maintenant mon Koubois, bulldozer. Bulldozer au front. Toute cette masse qui suivait là, c'est parce qu'on savait qu'il y avait un bulldozer devant. Vous étiez avec les mamans devant, mon Koubois. Merci. Je voudrais aussi remercier l'honorable Mathieu Kasuka. Oh là 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 là. Battu, frappé. Mais il était là, en train de déclarer, attaquer. Il n'a pas lâché. Je ne sais pas comment vous remercier, honorable Mathieu. Je voudrais remercier aussi l'honorable Félix Kabangé. Je voudrais remercier tous les autres députés. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde parce que cette vidéo ne doit pas être très longue. Mais je vous remercie tous. Toutefois, les noms vont défiler à la fin de notre vidéo. Mais je déclare encore une fois, un homme de Dieu est injustement en prison. Sa sortie présage l'effondrement du système qu'il a arrêté. Sa sortie présage le changement des règles. L'effondrement du système. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. J'appelle les hommes de Dieu, eux qui peuvent, eux qui ont fait la lecture comme moi, la même lecture que moi, eux qui ont vu et qui comprennent ce qui se passe. Nous savons quel rôle nous avons à jouer. Mettons-nous au travail. Nous avons tous les signaux. Mettons-nous au travail. Quand un homme de Dieu est en prison, on entend des insanités ça et là. C'est parce que le système s'effondre. Les gens ont perdu la maîtrise de soi. Les gens ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus comment raisonner.
On reste calme. On reste calme. C'est le moment de gloire. La gloire du Seigneur qui approche. Je ne voudrais pas vous dire de programmer une nouvelle manifestation. Cette fois-ci, je vous dis que c'est la gloire de Dieu qui approche. Je vous déclare libre, peuple Katangé. Je vous déclare libre parce qu'un homme de Dieu sera libre bientôt. Je vous remercie. C'était encore moi, votre frère Patrick Massengo.